Salut tout le monde, c'est Maxime. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, assez attendue pour ma part en tout cas. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui l'attendent sur Instagram aussi. Donc unboxing des Porcilio Lava qui sont juste là. Ça fait plus d'une semaine que je les attends. Je mettrai le site sur lequel je les ai achetés. Donc c'est Insektenliebe. Alors je vais essayer de le dire en allemand. Pour un allemand LV2, ça la fout mal, mais c'est pas grave. Donc on va faire l'unboxing, j'espère qu'il n'y a pas de soucis. Ça fait une petite semaine que je les attends, donc j'espère qu'ils vont pas, qu'il y aura pas eu de soucis de mortalité ou de manque de nourriture ou quoi. On va voir ça tout de suite, c'est parti. On a le couteau comme d'habitude, toujours le même. On va essayer de couper ça proprement, histoire de pouvoir se resservir du carton après. J'ai caché hein, mon adresse, tout ça pour pas que vous voyez tout quand même si je vous aime, faut pas déconner. Comment on peut commencer? Ah, c'est comme ça. Ça ne va pas me couper non plus. Oula, c'est pas du tout propre ce que je suis en train de faire. Voilà. J'espère que ça rend bien la caméra. Monsieur le caméraman, c'est bien. Parfait. Ah, ok, donc là on a la. Hop, j'avais oublié. On a l'ordre, on a la facture. Ok, parfait. Bon, ils ont fait ça bien, franchement. Donc c'est un site allemand, donc je vais pas pouvoir leur faire de la pub en français, hein, mais ils pourront pas, s'ils voient la vidéo, ils pourront pas comprendre ce que je dis. Ok, donc c'est emballé juste là. On va, on voit d'ailleurs que c'est du journal allemand. On va essayer de vous faire un petit déballage. Tac. Oh là là, ça fait tellement longtemps que je les attends. Ouais, dis donc, il a mis la dose. Parfait ça. Bah, du coup vous allez peut-être pas pouvoir les voir. Parce qu'ils sont bien. Ils sont super bien emballés. Ah là vous en avez un superbe là. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Il ira peut-être se cacher par là. On le voit caméraman? Non? Bon, c'est pas grave. On essaiera de vous faire une meilleure vue d'ensemble. Voilà, donc comme il y a marqué Porcilio Scaber Lava. Et donc 12. À peu près 12. J'en ai recommandé à peu près 12. Voilà. Donc, ça on va le mettre de côté. Clac. Et donc j'ai fait tac sur Instagram, vous avez dû le voir, j'ai fait un bac dessus bon, pour les mettre dedans en fait. Donc bah tout simplement j'ai mélangé terre je vais vous mettre la boîte là. J'ai mélangé terre de mon jardin, terreau et du compost avec plein de petites feuilles mortes, des herbes, des écorces, enfin j'ai tout mélangé, j'ai laissé là ça ferait presque un mois que je l'ai laissé tourner tout ça. Il y a des petites collemboles qui sont arrivées, enfin tout va bien. J'ai mis des grosses écorces, des petites écorces, des feuilles, enfin j'ai mis tout ce qu'il faut. Voilà. Ah ben là on les voit qui sont. Voilà, je sais pas si tu vas pouvoir les voir, mais on les voit. Avec leur magnifique couleur orangée. Superbe. Franchement, je suis trop content. Ils sont magnifiques. Bon, vous les voyez peut-être pas pour l'instant. On va. Ah ouais, là ils essayent de sortir les pauvres. On va essayer de couper ça. Ah, ils sont en train de sortir, ils s'excitent, ils s'excitent. Ils se disent, ah ça y est, ça fait une semaine qu'on est dans la boîte, on peut sortir, oui. Hop. Essayez de pas trop les faire bouger. Voilà. Tac. Alors, ils vont peut-être essayer de sortir, c'est pas grave, au pire je les prendrai sur la main. Voilà. Là, normalement, tu devrais mieux les voir, Cyril. Arrive à voir. Donc là on a, il me semble que c'est les mâles et les femelles sont. Ah non, ça c'est les femelles. Bon, je sais plus. Je sais plus qui sont. Ah, il y en a un qui est en prémue d'ailleurs. Allez, on va les libérer. Donc on ouvre. C'est mon ancien aquarium en fait où j'avais mes poissons rouges avant quand j'étais plus jeune. Donc voilà, on va mettre. Ah là, on en a un superbe là. Oh, bah, j'en mets partout sur mon tapis, génial. Je sais pas si vous allez réussir à les voir. Je suis trop content, celui-là est vraiment magnifique. Hop, on va mettre les feuilles d'abord. Tac. Voilà, alors. C'est assez petit, donc je sais pas si on va pouvoir vous faire des jolis plans. Au pire, si tu veux, je me pousserai, tu pourras essayer de faire des jolis plans à la fin. Tac, là, vous en avez un.
plein de orangés là. Je vais vous faire un plan sans lui faire mal. Forcément, ça part. Voilà, là. À la lumière, ils sont trop trop beaux. Ils se demandent qui je suis. On va les remettre. Ils vont peut-être essayer de se cacher. Donc là, on en a un très orangé aussi. Je pense qu'on va carrément. On va carrément les verser. Alors, on va essayer de les mettre comme ça. Tu vois ? Arrive à voir ? J'espère que. Au pire, de toute façon, on va essayer de vous faire des images. Ah, il y en a un superbe là. Allez, bonhomme. C'est d'y aller. Pas trop violemment. Ah, là, il y en a qui sont en train de se balader. Bon, on va y aller. Et puis. Clac. Donc, la boîte, on va la laisser là. On va dispatcher un peu. Voilà. Là, on en a un. Viens là. Ah, je vais me serrer les mains. Voilà, je sais pas si vous arriverez à les voir, parce qu'ils commencent déjà à se cacher. Vous en avez un juste là. On en a un sous la feuille ici aussi. T'arrives à en voir ? Là, ici, là. T'en as un. Voilà, donc ils sont un peu encore dans les vapes. Enfin, dans les vapes, dans les. Là, vous en avez un. Dans les. Oui, dans les vapes, on peut dire. Donc en fait c'est les mêmes que j'ai déjà, les Porcellus scabères hein, qu'on trouve dans les jardins en France. Enfin c'est la même espèce on va dire. Mais ils ont une coloration particulière, ils ont une coloration beaucoup plus orangée pétant. Et donc du coup voilà ça fait, c'est pour ça qu'on les appelle lava. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça va rendre bien, on va voir ça. De toute façon je vais mettre des vidéos du bac en général etc et des porcellios en Instagram, donc vous aurez ça en description. Et bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour savoir ce que vous en avez pensé, à mettre le petit pouce bleu comme d'habitude, et sur ce je vous dis peace les potes.